Dedans. Ah oui? Mais de la fenêtre de ta chambre, tu verras passer les bateaux. Quand tu étais petit, tu regardais les bateaux passer? Oui, mais pas de ma chambre. Hein. J'habitais derrière la gare. Vas-y! Tu heureuse, ma fille. À la santé des citoyens justes. À ceux qui, même s'ils allaient au ciel, devraient encore aider les bons dieux à faire les tonnerres. Allez, Fabrice, dis-nous un petit mot. Bon, à votre santé. À votre santé, et puis quoi? Dis-nous quelque chose. Bon, ben... Bon, merci à tous d'être là. Après 3 ans, bon, ça se termine. Enfin, presque. Puis nous, on est contents. Merci, Marek. Et puis, bon, c'est mon père qui avait le projet de construire cette maison. Il n'a pas eu le temps. Alors aujourd'hui, hein, c'est un peu son rêve qui se réalise. Salute, Maurizio! Thank you.
Bonjour les enfants. Salut. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, bien. Bonjour. Bonjour. Voilà les tickets. Merci. Attention, c'est chaud. Merci. Je suis prête. Ah, très bien. Bon, bah, je la ramène tout à l'heure, alors. On nous dit d'étudier pour trouver du travail plus tard. Mais à quoi cela servira si l'on ferme les usines et les magasins? Nous, enfants de Serein, nous sommes aujourd'hui ici avec nos parents, car c'est pour nous qu'ils luttent aux côtés des travailleurs de Sidermeuse. Nous avons confiance, Serein vivra. Sur le marché, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? On s'en fout, le fond de ces travailleurs, on a des femmes et des enfants! C'est ce que je leur ai dit, mais ils s'en foutent, c'est pas vrai! T'es incapable de nous les faire! Arrête tes conneries! On est tous dans la même merde! Lui, il est pour rien! Qu'est-ce que je vais devenir? T'imaginais quand même pas pour faire marcher ton laminoir, on allait déclencher une troisième guerre mondiale. On obligeait les gens à bouffer de l'acier. C'est fini l'acier. Ça c'est quoi, du papier mâché? On fait les mêmes en plastique. Tu vas faire quoi alors? Changer de métier, c'est tout ce qu'il a à faire. Viens travailler chez moi. On va avoir une nouvelle machine. T'es comme lui, hein. Quand j'ai mis sur pied mon atelier de photogravure, il m'a rayonné. C'était pas sérieux. La sidérurgie, oui, ça c'est du solide. C'est éternel. Un vrai métier pour de vrais hommes. L'imbécile. Va insulter notre père où tu veux, mais pas chez moi! Et nous, on répète pour le carnaval. Bon, lance pas ta jambe, tape du pied. Voilà, comme ça. Les bras? Ah, les bras, on verra plus tard. Thank you.
formidable. C'est formidable. T'as quoi, maman? J'ai réussi mon examen d'anglais. C'est une fête, alors? Oui, mais pas aujourd'hui. Là, il est tard. Maintenant, on va aller se coucher. Tu dis bonsoir à papa? Bonne nuit, mon chat. Bonsoir à Laurent. On a fermé les vignes de papa. C'est Renzo qui l'a annoncé cet après-midi. Mais hier, le ministre à la télé disait que... Ah ben ouais, mais c'était du bluff pour les élections. Salaud. Va te coucher, Martin. Tout seul? Je viens avec toi. Papa. Je m'étais faite à l'idée qu'on fermerait pas. Moi aussi. Une heure avant, j'étais encore en train de préparer les équipes pour la semaine prochaine. J'étais tellement contente de t'annoncer que j'avais réussi. Voilà, ça nous tombe sur la tête. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu... Merde. Ça va aller, ça fait 5 ans qu'on ferme. J'ai toujours été reclassé. Là, je suis sur le point de partir en formation pour Manchester. Ils peuvent pas me virer comme ça. Ils peuvent pas me virer comme ça. Enzo est déjà arrivé? Non, pas encore vu. C'est ton fils? Oui, je voulais voir le lami noir. T'as raison, mon petit. Bientôt, il sera plus là. Fais-moi taxi! Ah non, pas maintenant. Mon papa, j'ai bateau ici. Tu lui dis que je reviens dans 5 minutes? Mais on a quand même obtenu les prêts de pension. Et les primes de départ. Sans ridicule, non. Albert, tout c'est bien. Sur plus, le problème, la nouvelle Assyrie vient sur le tapis. La nouvelle Assyrie, j'ai d'autres choses. Tu peux la relancer plus tard. T'es devenu fou, pas de but, t'es dans un bureau. Il y a 100 types qui croient que l'Assyrie va être construite ici. Ils partent à Manchester pour un stage. Je suis obligé de leur dire qu'il n'y faut pas. Non. Bien quand on a eu peur. Un mois de formation et tu pourras travailler dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas fait pour ce genre de boulot. Pourquoi? 8 heures là-dedans, mais je vais étouffer, moi, j'ai besoin d'espace. Pourquoi t'es venu me voir, alors? Je croyais... Tu trouves que c'est un métier de con, c'est ça? Tu l'as toujours pensé. Pourquoi tu refuses? Je te l'ai dit, j'ai besoin d'espace. L'espace, il y en a dehors. Réfléchis. Door. It's closed. It's open. It's a very special door. This is a lamp. Oh, this is
a radio. You can switch it and listen to the music. And you can switch it off. This is a chair. You can sit down and stand up. And this is my man. He is going to Manchester, but he will come back. I love him. Yes, of course. Mes boucles d'oreilles et je suis prête. Just my earrings. And I'm ready. T'en fais une tête. Tu veux pas que je vienne te voir? Merci, bien sûr. On y va? D'abord, je dois te dire quelque chose. Dis-le. Non, pas comme ça. Viens plus près. Amoureuse de moi? Fabrice! On y va? Fabrice! Non, pas maintenant. On ne va être en retard. Mais tu vas froisser ma robe. Votre femme se débrouille vraiment très bien. Avec une interprète comme elle, à Manchester, vous n'auriez aucun problème. Ah oui? Elle vous a dit? Oui. Oh, c'est une ville formidable. Ils ont vraiment la tradition des luttes ouvrières. Ouais, comme ici. Vous verrez, vous vous y plairez. Deux bières, deux vins rouges, une limonade. Fabrice, mais qu'est-ce que tu fais là? J'accompagne ma femme. Bonjour, Alain. Bonjour. Alors, t'as retrouvé du boulot? Je suis à Manchester. Je te présente Jack Brandon. Alain, c'est mon ami. Bonsoir. Tu es recyclé dans la restauration? Oh, tu sais, j'aide un peu mon frère comme ça sur les gros coups. Hein. Vous dansez? Vous me permettez? Ça se fait que tu vas à Manchester. J'y vais pas. Je t'expliquerai. Thank you.
interruption avant de poursuivre notre soirée anglaise. Comme chaque année, la direction de l'Institut offre à deux de ses diplômés un week-end à Londres. À vous, Madame la Directrice. Monsieur Urbain Charlier. Bravo, Monsieur Charlier. Venez nous rejoindre sur le podium. Oui, oui, avec Madame. Car je vous le rappelle, ce billet est valable pour deux personnes. Madame Céline Ferraro. Bravo, Madame. Venez nous rejoindre avec celui qui aura la chance de vous accompagner. Monsieur Charlier, imaginez-vous que vos cours d'anglais allaient vous transporter aussi vite à Londres. Nous avons suivi les cours pour aller en Australie. Vous êtes des aventuriers. Mon mari est pédicure et il paraît que là-bas, on en demande. Et on applaudit chaleureusement M. Alain Ferraro qui nous rejoint à l'instant sur le podium. Alors, Madame Ferraro, heureuse d'avoir gagné? Oui, je suis très contente. D'autant que mon mari va à Manchester et je vais en profiter pour aller le voir. Manchester? Et qu'allez-vous faire là-bas, Monsieur Ferraro, si ce n'est pas indiscret? Je vais suivre une formation technique pour travailler dans une usine qui va être construite. Fabrice! Mais qu'est-ce que tu as? Fabrice! Mais dis-moi! Mais il n'y a plus de Manchester! Je suis licencié! Tu me l'as pas dit? Je sais pas. Où tu vas? Je rentre. T'avais oublié les phares. Fabrice. Fabrice. Je suis là. Je suis ta femme. Rejoindre les autres. Non. Ceci, je reste avec toi. Gratuit, monsieur. Tu en as encore quatre pour la rue Nicolai. Ah oui. Tu m'as pas encore dit pour hier. Oh, t'aurais dû nous voir. On pleurait tous les deux, on n'arrivait pas à se séparer. Céline, téléphone. J'arrive, regarde, regarde ce qu'il m'a offert. C'est quoi? Des boucles d'oreilles. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Allô, qui est à l'appareil?
sais ce qu'il me propose. Céline, tu m'écoutes? Oui. Qu'est-ce qu'il te propose? D'aller le rejoindre là-bas. Canada? Oui, à Montréal. Il ouvrirait un petit restaurant et on travaillerait ensemble. Qu'est-ce que tu ferais, toi? J'irais. Oh, si on y allait tous. Tu t'occuperais du restaurant avec moi? Tu parles anglais. Et Fabrice, je suis sûre, là-bas, il retrouverait du boulot. Que tu fais ici? Papa est allé te chercher? Je l'ai pas vu! Viens. Rien d'autre à faire. Tu t'es présenté au garage? Je suis sidérurgiste, pas laveur de voiture. Et Renzo? Propose de garder un terril. T'as accepté? Tu sais, des fois, je pense qu'on ferait mieux de partir. Pour aller où? Quelque part où tu retrouverais un vrai travail. Quelque part où on m'attendrait? Qu'est-ce que tu veux me faire croire? T'as pas encore compris que des types comme moi, ils en ont plus besoin? T'as pas le droit de dire ça! Pourquoi tu partirais, toi? Tu viens d'avoir une promotion. Mais s'il faut, moi, je suis prêt à partir. Ça doit être dur, hein? Toujours faire semblant de t'intéresser à moi. Poser une question? On va devenir fou si tu continues comme ça. Tu vois plus personne. Tu laisses mon père travailler tout seul à la maison. Même Martin, tu t'en fous. Et les autres qui ont été licenciés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Tu vas les voir? T'as pas répondu. Arrête. Fabrice. Réponds à ma question. C'est ton anniversaire ce soir. Tu te trouves trop bien pour moi? Je suis bien pour toi. Et t'es bien pour moi. Oh, Céline! Et votre maman? Elle est partie chercher du travail. Elle est partie chercher du travail. Regarde la grenouille. Je peux la caresser. Wow. Va montrer à Martin, il est dans la fontaunette. Julien m'a dit, s'il n'allait pas à l'école, il deviendra une grenouille. Tellement que je n'ai pas d'aller à l'école, moi. Ah bon, mais qu'est-ce que tu feras alors quand tu seras grand? Toriado. Il n'y a personne dans la fontaunette. Dans ces usines, ils devaient marcher au bord des cuves où il y avait de l'acier en fusion. Parfois, il y en avait qui tombaient dedans. Dans le feu? Oui. Là, ces blocs. C'est de l'acier dans lequel quelqu'un est tombé. Alors, au lieu d'utiliser l'acier pour faire de la tôle, on le gardait, puis on venait le déposer ici. C'est comme un cimetière? Mmh. Mon père,
Ton grand-père. Tu sais celui qui est en photo dans la cuisine? Avec ses moustaches? Oui. Et ben lui, il est tombé dans le feu. Tu t'inquiètes pour une rien. Assieds-toi. J'ai pas le temps. J'ai encore des repas à servir. Ils ne vont pas mourir de faim. Assieds-toi. Il avait Renzo? Oui. Et quoi? Gardien de Terril. Je sais, mais c'est mieux que rien. Tu devrais le pousser à accepter. Moi, il m'écoute plus. Laisse-lui d'abord le temps d'accepter ce qui lui est arrivé. Allez, garde pour Marcand. Je les avais au pied quand je suis venu de Pologne. Je vais les repeindre. Il les aura pour danser au carnaval. Néstor. Néstor. Tiens. Il est là au-dessus. Ne bouge pas, je vais le chercher. Ça fait combien de temps que t'as ce truc à la patte? Eh ben dis donc, si j'étais pas venu. Il n'y a plus personne ici, mon petit vieux. On est tous licenciés. Sauf toi. Céline. Qu'est-ce qui se passe là? Un exercice. Allô? C'est Jack. Oui. J'ai un copain qui s'occupe du programme européen contre la pauvreté à Liverpool. Il vient chez moi la semaine prochaine. J'ai pensé que ce serait peut-être bien que vous le rencontriez. Céline? Oui. Je vous rappellerai. Oui, au revoir. Allô? Ça va. Ils arrivent. Oui. Ne t'inquiète plus. Ils rentrent. Papa. On les a retrouvés. Calme-toi. Calme-toi. Viens. Calme-toi. On les a retrouvés. Eh bien, tout va bien. Pourquoi il a fait ça? Je comprends plus rien. Moi non plus, je comprends pas. Se laisser abattre simplement parce qu'on a perdu son boulot, comme s'il n'y avait rien d'autre dans la vie.
T'as réussi, toi, Laurent. Alors, évidemment, les autres, tu t'en fous. J'ai réussi. J'essaie de m'en sortir, c'est tout. Pourquoi tu me dis ça? Tout ce que je fais, je le fais pour vous. Pour toi, pour Martin. J'ai pas de famille, moi, je suis tout seul. Tu sais bien que... Je recommence pas avec ça. J'ai jamais aimé que toi, Céline. Moi, je n'ai jamais aimé que Fabrice. J'ai envie de voir personne. T'aurais pu te mettre à ma place, non? Tu te rends plus compte de rien, quoi. Tu es en train de te foutre en l'air. Et nous avec. Le site indique les mouvements du terril côté ouest. Tant que la ligne reste dans cette zone, c'est qu'il n'y a aucun danger. Il y a déjà eu des éboulements? Il y a 20 ans, de l'autre côté, il s'est écroulé sur la rue. Depuis, il n'y a plus rien eu. Petit paradis ici, hein? Bon, ça, ce sont les feuilles de relevé. Tu notes dessus tout ce qu'indiquent les sismographes. Et puis tu les mets là-dedans. Hein? Alors, si par hasard le terril avait la tremblotte, tu fais le zéro pour appeler les pompiers. Tout ça, c'est à qui? C'est à celui qui était avant. Bon, il viendra sûrement les chercher. Hé! Un artiste, le gars. Bon, ben je retourne au camion.
Gardienne terrible. Excuse-moi, c'est le seul tuyau que j'ai pour l'instant. Tu retrouveras autre chose. Autre chose. Oui, je sais pas. On va construire de nouvelles usines, ça va repartir comme avant. Mais ce sera tant mieux pour nos gosses. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je retrouve? J'ai pas de diplôme. Ce que je sais, je l'ai appris à Sidermeuse, dans les hauts fourneaux. C'est peut-être con, mais moi, le feu, l'acier et la chaleur, c'est mon boulot, j'aime ça! Maintenant, il faudrait que je change ma vie, parce que des types dans les bureaux ont décidé qu'on ferait plus d'acier ici. Ouais, ben, le monde change, faut faire avec. Sinon... L'ingénieur veut vous parler. J'arrive. Allez. Parlez à Céline Ferraro, s'il vous plaît. Ah bon? Non, non, c'est rien. Fabrice! Ouvre! Fabrice, ouvre! Vous rencontrez un de ses amis qui fait le même travail que moi à Liverpool. Tais-toi! Tais-toi! Ouvre! T'as pitié de moi, hein? Ah, j'ai besoin de toi, hein? Fabrice, je suis ta femme. Menteuse! Qu'est-ce que tu lui racontes, hein? Je suis un pauvre type? Tu oses pas me quitter, hein, c'est ça? Oh, oh, ah! Ah! Regarde-moi. Tu me méprises, hein? Allez, dis-le. Dis-le que tu me méprises. Lâche-moi. Allô? Oui, Martin. Oui, je te prends ce soir. Je t'embrasse. Oui, oui, je suis grand-père. Oui? C'est Jack Brenton. Je suis pas là. Dis-lui que je suis pas là. Oui, oui, vous pouvez monter. Qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux prouver? Il faut que je fasse plus ample connaissance avec un homme remarquable. Un homme dont je suis très proche. Certainement l'homme au monde duquel je suis le plus proche. Hein? Puisqu'on couche avec la même femme. Fabrice, tu sais bien que c'est pas vrai. Comment tu peux dire des choses pareilles? Tu restes là, hein? Lâche-moi, je t'en supplie. Tu restes là. Mais va ouvrir. Bonsoir. Entrez. Monsieur Brandon. Vous êtes le bienvenu. Entrez, entrez. Céline en a encore pour un moment. Elle finit de se faire belle. Ah bon? Ben oui, pour vous. On va boire un coup? Qu'est-ce que je vous offre? Un péquet? Ou bien quelque chose de plus raide? Un scotch. Yes? D'accord. Oh, ouais, ouais. Asseyez-vous, soyez pas timide. Alors, Céline, t'es prête?
ce Brandon qui s'impatiente. Qu'est-ce qui vous attire chez elle? Comment? Qu'est-ce qui vous attire chez ma femme? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais si, vous devriez comprendre. Puisqu'elle me quitte pour vous. C'est normal, hein? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec un type comme moi? De toute façon, mon vieux, je vous l'offre. Mais enfin, je vous en prie. Mais si, profites-en, profites-en, vas-y, je te l'offre. Prends-la. Vous délirez? Pas du tout. Je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Je sais bien que je suis pas à la hauteur. Alors Céline, tu te grouilles? Ça suffit. Vous n'êtes pas drôle. Je suis prête, Jack. Sidermeuse. Oui. Dans tout ce côté vire avec toi, il n'y aurait pas des soudeurs. Il m'en faudrait une dizaine. Des types dans la merde qui ont vraiment besoin de bosser. Ça m'intéresse pas. Mais t'es con. T'auras un pourcentage. 10 000 balles par type que tu me trouves. Fous-moi le camp. Comme tu voudras. Si tu peux t'amoisir là-dedans. Et Henri, c'est toi qui le remplace? Il faut croire. T'es belle, hein? C'est moi? Je peux bavarder avec toi 5 minutes? Non, une autre fois. Pour qui tu te prends? Si t'es ici, c'est que tu vaux pas mieux que moi. Les nuits sont longues ici. Tu verras. Tu seras bien content de me trouver. Au revoir, monsieur le gardien en chef.
Prends, mange, il faut que tu manges. Téléphone comme ça, rien. Sinon, tu y as déjà été ce matin. Oh, vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il s'est battu à l'école. C'est Laurent, il a dit que mon papa était mort. Et moi, j'ai dit que c'était pas vrai, qu'il était parti à Manchester. Alors, on s'est battu. Tu sais, je t'ai dit que papa était à Manchester. Il allait bientôt revenir. En fait, je sais pas où il est. Et je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Ce n'est pas parce qu'on disparaît d'une ville qu'on disparaît du monde des vivants. Ne vous inquiétez pas. Vous me dites la même chose depuis 2 mois. Vous devrez l'avoir vu, c'est pas possible. Faites-nous confiance, madame. Ne vous découragez pas. Ça vous plaît? Beaucoup. On aimerait bien revoir le rez-de-chaussée, s'il vous plaît. Bien sûr, je vous accompagne. Merci. Qu'est-ce que tu fais, mon Martin? Chercher mon trésor, parce qu'on s'en va. Ce soir, l'affaire est conclue. Je ne vends pas. Que dites-vous? Je ne vends pas. Mais c'est vous qui avez fait cette proposition. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Madame Ferraro, depuis 6 mois, vous me devez 300 000 francs pour tous ces matériaux. J'accepte d'être payé sur la vente de la maison. Je vous trouve moi-même des acheteurs et maintenant vous dites je ne vends pas. Laissez-moi encore 15 jours. Si je ne trouve pas l'argent, je vendrai. Vous ne trouverez pas cet argent. De toute manière, 15 jours, c'est trop pour moi. Je peux vous accorder une semaine. Maman, mon papa est tombé. Papa. J'appelle un médecin. Papa. Petit sac à la cabane. On va le chercher. Tu l'as vendu? Non. T'as bien fait. Il va venir. Oh, le sac. Ils sont à toi maintenant. Avant que tu nous quittes, je voudrais te demander quelque chose.
T'avais l'habitude de dire que nous, les sidérurgistes, si on allait au ciel, faudrait encore qu'on aide le bon Dieu à faire le tonnerre. Prépare-nous de beaux orages, Marek. Au revoir, mon petit gars. Tu m'enverras des cartes? Mais bien sûr. Je sais pas, mais partir comme ça, vous quitter tous, c'est comme si je vous abandonnais. Mais non, tu seras heureuse là-bas. On dit que c'est un beau pays. Oh, tu vas me manquer. Tous. Allez. Allez, tu vas rater ton avion. Une bière. Carina. Tu m'offres quelque chose? Qu'est-ce que tu veux boire? Une petite coupe. Tu viens d'où, toi, Chouke? L'aéroport. Je parie que c'est la première fois que tu passes dans le coin. On ne peut rien te cacher. Tous ceux qui passent, ils s'arrêtent ici. Je ne sais pas pourquoi. Doit y avoir quelque chose qui les attire. C'est combien pour monter? Pour toi, 2000. Arrête la trompette! Arrête, je te dis! Quand tu auras payé ce que tu dois, tu pourras jouer. Laisse-le. Tu viens? Pour 300 000 francs, je pourrais te les prêter. Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes. Après la toiture, il va y avoir autre chose. T'es sûr que tu veux y habiter? Je sais pas. Je sais pas, mais je sens que si je vends, il reviendra pas. Tu crois qu'il va revenir? On ne sait pas où il est. Ça fait des mois qu'on n'a plus de nouvelles. Peut-être même qu'on ne reverra jamais. Expose. Pour l'argent, t'es d'accord? Si ça peut t'aider. Merci, Laurent. Céline? Oui? Qu'est-ce que tu penses de moi? Pourquoi tu me demandes ça? Pour savoir. Je pense que t'es un chic type. Je vais te raccompagner. Tiens. L'affiche du carnaval pour Martin. Elle est belle. Merci, il sera content. Viens dîner avec nous ce soir. D'accord. Je compte sur toi. Ouais.
entendre avancer. Encore? T'as déjà 3 semaines d'avance. J'en ai besoin. C'est la dernière fois. C'est encore moi. La porte s'ouvre pas? Céline. Je. Faut que je te demande pardon. J'ai revu Fabrice. Quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Je voudrais parler à Fabrice Ferraro. On m'a dit que je pouvais le trouver ici. T'es qui, toi? Je suis sa sœur. Quand ils reviennent du chantier, ils entrent par derrière. Vaudrait mieux que t'ailles l'attendre dans la cour. C'est là, au fond. Merci. Puisque t'es sa sœur, rappelle-lui un peu qu'il me doit encore mes loyers. Il vous doit combien? 2 mois. 10 000 francs. C'est gentil, ça. Une sœur comme toi, c'est rare. Et tu m'en donnes un trou. Tu viens pas faire d'histoire? Non. Tu peux l'attendre dans sa chambre. C'est au 2e à droite. T'attends. On a besoin de toi.
trompettiste. Debout. Il doit aller au boulot. Il dit que j'étais engagé pour 2 mois. Les tranchées sont terminées, il n'y a plus de boulot pour toi. Tu n'as pas le droit. Je vais te dénoncer aux flics. Qu'est-ce que tu vas leur dire aux flics? T'as déjà vu ta gueule? Mais que c'est toi qui organises tout le travail au noir de la région. Fous le camp. Qu'est-ce que tu vas dire, hein? Salopard, tu vas aller dire aux flics, hein? Quand t'as payé, tu fais rester du boulot. T'aimes bien mouchardé, hein? Ben vas-y, mouchard. J'aime pas les mouchards. Saloperie. Alors, t'as encore envie de mouchardé, hein? Lâche-le. Te mêle pas de ça. Fais pas chier. Yeah.